Les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas,
je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, ma vie, moi pas moui, m'a raconté mes veilles, mon Dieu. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous baillons, mon Dieu, gloire de ce qu'il fait nous grâce. Nous capables, là, matin, jeudi, dimanche, nous quoi qui 11. Nous 11 en juin. Ça veut dire, nous déjà, dans moitié, année. Et il y a un pile monde qui déjà payé le prix de la nature, en d'autres termes. Il y a un pile monde qui déjà allé déjà. Il y a un pile monde qui déjà mouru. Mais le Seigneur fait moi-même ensemble avec vos grâces, nous capables à dire et bénir jusqu'ici l'Éternel, nous a secourus. C'est une grâce spéciale. Ce n'est pas plus bon que nous, plus bon, parce que c'est l'autre qui est déjà devant nous. Hein. Mais c'est le Seigneur qui, d'accord, qui accepte le consacre. Et en pile, dans frère, action nous, qui déjà devant nous, yo à reposer, yo à donner nous, yo nan repos éternel. En d'autres termes, yo déjà trouvé yo nan yon place côté que yo pas souffri grand goût encore, yo pas souffri maladie encore, yo pas souffri yon série de souffrances encore. Et côté yo ya, yo bien là, yo seulement attendre. L'enlèvement, il attend trompette là sonner seulement, mais il y a un pile qui devance nous. Malheureusement, il est dans le lieu de tourment, il a tourmenté, il est dans le tourment qu'on y a, il a dit si on te connaît. Il y a un pile là qui n'a un regret éternel, il est en face qu'on y a là. Il y en a autant pour que vous allez devant le grand juge. On va dire que Jean expliqué dans Apocalypse chapitre 20, verset 11. Il y a quelqu'un pour aller camper devant le grand trône blanc. Et après ça, après le jugement, la Bible expliqué, vous allez aller dans la destination éternelle. Alors, maintenant, vous-même qui pouvez accepter Jésus-Christ, qui attendez nous? Avant message là, est-ce que vous ne pouvez pas remettre Jésus-Christ la vie? Jésus-Christ voulait sauver vous. Il voulait pour aller vivre ensemble avec lui dans la nouvelle Éden, le Seigneur Jésus-Christ t'a remis pour aller vivre ensemble avec lui. Lorsque nous parlons de le ciel, côté que Dieu habitait, on a parlé de yon nouvel Eden, yon nouveau Eden, yon paradis, côté que pas de souffrance, pas de la mort, pas de l'eau dans les yeux encore, et pas de deuil encore. La Bible explique ça très bien dans Apocalypse, Matthieu, ou même qui pour combattre Jésus la vie, Jésus après les ou pas de temps encore, et ou même qui baille Jésus la vie, ou qui a joué dans l'évangile, n'a dit au moment où être fini parce que le Seigneur Jésus-Christ a retourné. C'est seulement un beau événement qui est pour fête. Et le monde entier comme ça. Même les gens qui ne sont pas convertis comme ça, ils connaissent qu'il y a un beau événement qui est pour fête. C'est l'enlèvement de l'Église. Et messieurs écuméniques, messieurs maçons logeux, sorciers, sorcières, et précurseurs de l'Antichrist et du faux prophète, yo connaît ça très bien. Yo bail événement ça yo non, yo relé yo gros catastrophe naturelle qui est pour produit. Yo fait connait que lorsque catastrophe naturelle ça produit, c'est tout le monde qui pas bon yo qui disparaît, qui quitter la terre. Mais c'est pas ça la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit comme ça que dans 1 Thessaloniciens, regardons ça rapidement. 1 Thessaloniciens, avec la parole de Dieu toujours démenti les apostats, démenti les apostats, les moqueurs. Regardons ça avec 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13, il dit comme ça que nous ne voulons pas
Frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Comprenez? Ça, c'est le monde qui n'a pas d'espérance, qui n'a pas d'événement, qui n'a pas l'enlèvement, thème ça. Vous comprenez? Il y aurait une catastrophe naturelle. Le monde, ça, ce sont des ignorants. Vous comprenez? Des ignorants. Ils ont ignoré la parole de Dieu, ce sont des moqueurs, quand il y a moqué la parole de Dieu. Et dans le verset 14, ça veut dire, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. La preuve en est grande, lorsque Jésus-Christ est mort, ils ont enterré Jésus-Christ lorsqu'il est allé dans les régions inférieures de la terre. Ça a passé. Ils allaient mettre l'autre dans des autres. Ils ont essayé de démons qui étaient très puissants. Jésus-Christ a minoté, il a emprisonné les démons, il a mis en prison. Et ensuite, il a prononcé condamnation de tous les rebelles de tous les temps. Tous les injustes de tous les temps, tous les moqueurs de tous les temps, tous les ignorants, les prononcer en condamnation. Et moun côté que l'établissement serviteur de Noé pour te prêcher l'évangile, moun sa ou ta tranquille, les prononcer condamnation sous temps à l'époque de l'eau aussi. Moun sa ou qui était ignoré, mon Dieu, qui était tombé dans l'abomination, dans l'immoralité. On va qui pas accepter, on va obéir à la parole de Dieu. Amen. Il prononcer condamnation moun sa yo, les faire voir que yo là pour jugement dernier après jugement dernier pour aller dans vraie destination éternelle. Moun sa yo, yo style trouvé yo dans lieu de tourment que la Bible parle nous dans l'Ancien Testament et lieu de tourment ça c'est Julien Morsa, les Sheol. Dans le Nouveau Testament, il y a les Hadès. Est-ce que vous comprenez? En Sheol, Hadès, ce n'est pas lui-même qui l'enfer. C'est le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est un lieu de tourment. Appliqué lorsque les gens qui sont en train de mourir, ils allaient directement dans le lieu de tourment. Quoi aller de l'autre côté? Quoi aller dans la tombe? Dans un tombeau. Vous comprenez? Il y a un cercueil. Il y a un tombeau. Quoi? La Bible dit, tu es poussière et tu retourneras à quel côté? En poussière. On va retourner la poussière. Mais vrai ou même, au moins vrai ou même, pendant qu'on était sur la terre, on va accepter Christ, on était accepté vivre selon la chair, pour plaisir, est-ce que vrai ou même, au moins qui va accepter Christ, qu'on est là, aller dans le lieu de tourment, ça que la Bible est chez Yod, ou Hadès, ou à tourmenter, et ou attendre, en d'autres termes, ou commencer à prendre ça l'enfer. On va qu'on a là ou attendre jugement dernier. Man, on va attendre jugement dernier. Mais l'autre monde qui était de Christ dans la vie, la Bible dit comme ça que Jésus-Christ retire yo côté que yon teye. Parce que lorsque Christ vini, il est tout monté avec les sauvés, il met dans un lieu. La Bible ne dit pas qu'il met dans le ciel, mais je pense que d'après la parole de Dieu, il y a un pré-ciel. En d'autres termes, moun sa yo et commencer à anticiper. On va anticiper la présence de Dieu dans toute dimension parce que moun sa yo commencer à vivre. Il y a une série de bagailles que moi-même ce m'avoir qui encore sur la terre encore ça nous pour qu'à vivre parce que pour nous à vivre yo dans la dimension que nous devons vivre il faut nous mourir ou bien faut trompette à sonner. Alors moun sa yo pourquoi rentrer dans le ciel mais moun sa yo en paix. Ça fait que la Bible dit comme ça que yo supposé tant toujours parce que il y a en pile dans nous qui doit mourir même j'en sais avec yo on comprend et puis pour que nous aller dans le ciel lorsque ton père n'a sonné. Dans le verset 14, il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alors, lors de l'enlèvement de l'église, tout le monde qui mourit déjà, on s'est ressuscité. Alors, pendant que nous vivons sur la terre en tant que chrétiens, nous ressuscitons déjà, nous vivons avec Christ. Comment faire que nous ressuscitons? Lorsque, ou sans Christ, le mot très bien, lorsque nous sommes sans Christ,
li pa bay Christ la vie, moun sa son moun ki mouri. Mais lorsque vous acceptez Christ, vous ressuscitez. Amen. Alors que lorsque vous sans Christ, vous mourrez spirituellement. Vous séparez avec mon Dieu. Vous pas la vie de Dieu, vous êtes qui mourit. Bien que vous vivez physiquement, mais spirituellement, mais vous mourrez. Mais lorsque vous avez Christ la vie, alors que vous ressuscitez spirituellement, nous avons sur la terre, mais nous ressuscitez spirituellement. Ça veut que, apportez Paul de consacrer, dans Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a sauvé. Alors que pendant qu'il a vécu dans la chair, mais par la foi, nous déjà avec le Seigneur Jésus qui courait dans le ciel en esprit. Parce que la parole de Dieu dit pour ça que Christ dit, demeurez dans moi-même, m'a demeuré dans vous, dans vous-même, tous les sauvés, tous les chrétiens, nous demeurons dans Christ. Christ demeurez dans nous. Amen. Et ça fait que l'hébreu le fait, nous connaissons que dans Romains chapitre 8, verset 1er. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans, pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Alors que tous les chrétiens, tous les sauvés, nous dans Jésus-Christ. Quel que soit le conseil qui est physiquement, est-ce que vous comprenez? Mais spirituellement ou en dedans Jésus-Christ. Alors que nous sommes esprit, nous en dedans l'autre esprit qui c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons seul avec lui, nous déjà ressuscité. Amen l'église. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait que c'est, on dit, c'est 10% nous-mêmes qui sur la terre. On prend 10% nous-mêmes, avec les physiques là, qui sur la terre. En d'autres termes, c'est cher sur la terre, mais vrai nous-mêmes déjà avec le Seigneur. Bon, corrigez moi, avec la chair sur la terre, mais esprit avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut que l'ennemi a fait tout moyen possible, tout ça dépend de lui, pour lui, en détruit la vie, mais il n'est pas capable parce qu'il est vrai nous-mêmes avec le Seigneur. Le verset 15 dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devançons pas ceux qui sont morts. Nous ne devançons pas ceux qui sont morts. Si tu peux te souvenir là, nous ne pas parler avant monde qui mourit déjà. Non. Nous attendons monde là. Monde ça a ressuscité d'abord. Comment? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, les morts en Christ, moun qui mourit déjà en Christ. Ce n'est pas moun qui mourit spirituellement, mais moun qui t'a servi Jésus-Christ, qui t'est vivant physiquement, qui t'est vivant spirituellement, mais qui vient mourir physiquement. Moun sa yo, yo ki pou yo ressusciter d'abord, premièrement. Même si tu es un monde qui t'a mouru des années, ou bien qui t'a mouru un jour, quelques heures de temps avant l'enlèvement moun sa, li ki pou le ressusciter premièrement, et puis ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, enlevés ensemble. On va mettre nous ensemble. Et puis, nous avons enlevé avec eux. Nous avons enlevé avec eux sur des lieux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça que, messieurs, aurait les une catastrophe naturelle. La Bible est l'avènement du Seigneur. Dans l'avènement du Seigneur, nous joignons plusieurs. Bagages qui sont produits. On va dire l'enlèvement de l'église. Amen. L'enlèvement de l'église dans l'avènement du Seigneur. L'église nous qui est pour nous enlever très bien, très bientôt. Lèvez mes mains, on dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça veut dire que vous êtes le monde qui est plus heureux sur la terre. Amen. Vous êtes le monde qui est plus heureux sur la terre. Regardez ce soir avec moi. Acte chapitre 20, verset 24. Pas oublié depuis hier, depuis vendredi, nous a parlé de. En évangélisation, en tant que chrétien, nous qui sauvés, pour que nous sauvions l'autre monde qui est perdu. Amen. Nous sauvés pour nous capables de sauver l'autre monde qui est perdu. Alors, si que nous avons une belle espérance, est-ce que nous ne pouvons pas supposer, chers,
avec l'autre monde, hein? Belle espérance à que nous gagnons. Est-ce que nous pas regarder? Est-ce que n'est pas important pour nous chercher avec l'autre monde qui pour qu'on Jésus-Christ comme sauveur? Et la Bible dit nous ça. Avant nous arriver dans Actes des Apôtres chapitre 20 le verset 24. Tenez ça la parole de Dieu dit. Non, Jean chapitre 15 le verset 8. Il dit ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez qui ça beaucoup de fruits. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. À quel type de monde que Christ a parlé là? Christ a parlé avec les sauvés, les chrétiens, les élus de tous les temps. C'est avec un groupe de monde ça, que l'a parlé là, l'a conversé là. Au moment que la Bible adressait, ce qui manifeste la gloire de mon Père, ça qui manifestait la gloire de Dieu, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Si vous ne portez pas fruits, vous êtes chrétien qui mourit. En d'autres termes, vous avez pied bois qui ne porte pas fruits, pied bois ça pas mérité poule de boue, poule vivant, il mérite mourir. Pied bois ça, c'est coupé lui, et puis qui ça, fait chaque jour ensemble avec elle. C'est de la même façon, yon chrétien qui pas pour tes fruits. Yon chrétien qui pas pour tes fruits, ou pas utile au royaume de Dieu, rien. Ou pas utile bon Dieu, rien, si qu'on pas pour tes fruits. Ok, bon Dieu voulait que pour nous pour tes fruits, lorsque nous pour tes fruits, la gloire de Dieu manifeste, la gloire de Dieu manifestée, la gloire de Dieu élevée dans l'autre dimension. Parce que Christ dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Avec qui monde? La gloire de Dieu a manifesté sur la terre. Avec nous, les sauvés, les chrétiens, ça veut dire les 12, ils ont pris mission, ils ont aimé. On m'a dit, mission, aimé. Ils ont réellement campé pour le nom de Jésus-Christ. Ça fait que vous parlez loin. On a joué pendant côté là. Ils avec leurs disciples, pendant que Pierre a prêché l'évangile. La Bible dit comme ça que, en plus de 3000 âmes, on m'a converti, ils ont repenti. Il te bail Christ la vie. Et bien, c'est même puissance ça que nous recevons, que l'Église va l'Église en recevoir. Pour que nous capables de travailler pour nous porter fruits. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survient dans vous. Vous serez mes témoins qui côté dans Jérusalem. Dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Premièrement, fruit chrétien pour reporter. Garde ensemble avec moi. Dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Alléluia. On dit merci Seigneur. Merci, Seigneur. Galates chapitre 5, le verset 22. On va dans un premier fruit que bon Dieu voulait pour chrétien porter. Tenez bien. En tant que chrétien, il faut que des changements, des bagailles qui fait à l'intérieur de vous-même. D'abord, avant que vous preniez responsabilité. On va pour prendre responsabilité et puis pour aller voir, pour aller chercher bon pour Christ. Tu peux le voir pour nous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais ça le dit. Il dit pour ça que, dans le verset 22, Galates chapitre 5, il dit, mais le fruit de l'esprit, alors que le Saint-Esprit que moi, mes membres, nous recevrons, il y a des fruits qu'il produit d'abord personnellement dans la vie chrétienne, à l'intérieur de nous-mêmes. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors que c'est l'amour, je vais le montrer, dans un Corinthien, chapitre 13. Sans l'amour, ou pas capable de manifester dans le ministère que bon Dieu relie. Ou pas capable efficace dans le ministère pastoral, évangélisation, ou pas capable efficace dans notre ministère. Il dit pour ça que, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. A quel fruit ça yo, si que ou pas gagné yo, ça va pas passer. Travail d'évangélisation, la envie, l'est pas efficace.
Il n'est pas efficace. Vous ne pouvez pas dire à évangéliser. Et puis, vous êtes des gens qui ont un cœur. Vous ne pouvez pas dire à évangéliser. Vous êtes des gens qui ne sont pas en paix avec les gens. Ou pas qu'à dire évangéliser, ou ce monde, ou est-ce que vous qui pas de patience, pas oublier de parler ensemble avec vous. Enfin, nous disons, quand nous avons la Bible, dit que nous devons gagner et patience pour nous faire travailler ça. Okay? La patience, c'est le fruit, on va dire, c'est le fruit qui ça de l'esprit. Ou doit gagner ça, la bonté, ou doit être bon envers mon Dieu, envers toi-même. En fait, qui ça, prochain qui bon côté, ou doué bon, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Fruit ça yo que, ou doué gagner yo. On m'en, d'abord, parce que si vous pas gagner yo, ou pral vulnérable dans le royaume de Dieu, ou wap gade wap yon wot, pour royaume bon Dieu, côté que Satan a fait ça, l'on s'amade. Est-ce que yon moun qui pas fidèle, on m'en ka évangéliser? Non, il y a des gens qui pas fidèles, ils sont dans toute immoralité, ils sont dans toute bagaille qui pas bon, la baille menti, la vivre dans le pays, ils ne savent pas de droit, évangéliser. Travailler un pape efficace. Amen. Travailler un pape efficace. Ou doit d'abord fidèle. Ou doit y a des gens qui tempérant. Il dit, ceux qui manifestent la gloire de mon Père, c'est que vous portez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Laissez-moi disciple Jésus. Jésus, en d'autres termes, tout fruit ça y est que nous disons, cité par où, dans Galates chapitre 5, le verset 22, en tant que chrétien, vous devez posséder d'abord. Pour que l'évangile que vous dites, prêchez à Jérusalem qui est dans la maison, avec famille, avec maman, avec papa, avec frère, avec soeur, avec petite, avec madame, avec monde qui est dans l'entourage. Au moment fort, fruit ça yo exposé, fo yo wè yo, gen yon effort, malgré nous c'est l'homme, nous tout nous est parfait, mais fo yo wè que ou son monde qui veut servir bon Dieu, qui d'accord pour servir bon Dieu. Laisse ça qu'on y a, ou ka prêcher moun sa l'évangile. On ben, parce que moun sa wè campé, on ben sous l'évangile, ou le faire l'évangile, ou porter fruit, ou vle à le ciel. Les sacrés, c'est comme ça que, ah, nous capons là, oui, on peut dire, oui. Ah, ben, nous pouvons nous capables de témoigner. Lorsque la calafine prend l'évangile, il y a un petit type de monde qui est malgré les perfections. Alléluia. Qu'on y a, on capons les romans, on capons là, oui, pour aller dans Judée. Parce que, on qui témoignage la caille, ou qu'à aller dehors pour prêcher l'évangile, ou qu'à aller évangéliser. Lorsqu'on va dehors, j'ai pas qu'à manger, qui est mon qui garde qui aller dans l'évangélisation, il n'y a pas retourné. Ils n'ont pas retourné et ce n'est pas parce que c'est comme ça que Dieu voulait passer, mais c'est parce que mon style de vie qui l'a mené pas fait mon Dieu plaisir. Alors, la chèque pour celle pour foncer des bagailles que mon Dieu pas la donne. Est-ce que vous comprenez que avant d'évangéliser, vous devez préparer d'abord. En d'autres termes, avant le ministère avec mon, vous devez ministère à mon Dieu d'abord. Avant à louer avec le monde, vous devez louer à mon Dieu, vous devez louer pour mon Dieu d'abord personnellement. En d'autres termes, l'église là, avant que vous allez évangéliser, vous devez vous besoin d'un temps personnel à mon Dieu. Vous devez passer des moments de consécration, vous devez passer des moments sous genoux, vous devez être sur le monde qui a prié tout le temps, n'importe monde pas évangéliser. Christ dit pour ça que vous serez alors vraiment mes disciples, les mettez au futur. Bon? Au futur, vous serez réellement mes disciples, les savoir disciples de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pas comme ça que vous campez comme disciples de Jésus-Christ. Faut que vous mettez les points sur les i, d'abord. Faut quitter bon Dieu, mettez les points sur les i. Faut quitter bon Dieu, choisir, les préparer, les former, même Jean-Christ te fait. Même Jean-Christ te fait. Gardez ça, apôtre Paul dit dans Galates chapitre 20, le verset 24. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse. Pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Annoncez qui ça? La bonne nouvelle
de la grâce de Dieu. M'a dit ça pour encore. Acte chapitre 20, le verset 24. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse. À cause qui ça? À cause Jésus-Christ. Apôtre Paul dit, il pas garder la vie. Vous comprenez? Même si il t'a mouru pour Christ, ça n'est pas capable de remplacer la mort de Jésus-Christ. Ça n'est pas capable de remplacer l'amour que Christ a gagné pour nous. Amen l'Église. Alléluia. Il dit pour ça que, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course, avec que, où est course là, où est l'évangile là, où est l'évangélisation là, où doit faire avec joie, où doit faire travail bon Dieu avec joie, dans tout domaine qu'on y est, dans le travail de Dieu, où doit faire avec joie. Ne vous sentez que vous pas content, mettez au moins le corps en côté chita, ou te mettez chita. Parce que travail bon Dieu, où doit faire avec joie. Si vous ne pas faire avec joie, il n'est pas efficace ou pas capable de faire. Et pas oublier, nous sommes montrés que la joie, c'est, lui fait partie du fruit de l'esprit. À quel monde qui reçoit l'esprit de Dieu qui se chrétien, l'esprit de Dieu produit en même des fruits. Nous sommes barrio, Galates chapitre 5, verset 22. La foi, la joie, c'est un fruit de l'esprit. Okay? Apôtre Paul dit, on a pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus, Jésus m'a confié, que nous soyons course. Ah ben oui, nous chaque là nous sommes course. Nous avons ministère. Lorsqu'on finit accepter Jésus-Christ, c'est pas chita la caillou, c'est pas chita ville l'église seulement, c'est pas louer bon Dieu. Ou avons ministère, ou nous avons course. Ou avons ministère pour évangéliser le monde. Ou avons ministère, alléluia, pour parler de bon Dieu. Bon Dieu voulait pour parler de lui. Amen, oui. Bon Dieu voulait pour parler de lui. Et puis il dit, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ministère nous, c'est annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Pas oublier que, moi te lis en ce moment dans Esaïe chapitre 61. Au moment où il y a une crise, il faut que les vignes annoncent une année de grâce. Ah, mais c'est année de grâce, ça, c'est la bonne nouvelle. Alléluia, qui a prêché la donne, qui a donné la bonne nouvelle. Jésus-Christ, alléluia, bon Dieu, bon Dieu qui t'a créé ciel là, avec terre. Là, en mode, après le péché, la Bible fait pour lequel il était personnifié, il était marié, en mode matérialisé là, il était venu sur la terre, il était venu par la ville pour l'humanité. D'après Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque attend ne perce point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset sa pata doit sortir, dans la bouche les sauver même. Verset sa pata doit pas dans la bouche les sauver. Excuse-moi. Verset ça, tous les chrétiens, tous les sauver. Nous t'as supposé dire verset ça tout le temps. Alléluia, tout côté de passer avec tout le monde. C'est pour faire mon inconnu, non. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Avant d'évangéliser mon nom, la guerre, c'est ça dans la mer. Bah, verset ça fait qu'on est que Guillaume Moun qui a un vrai amour, Guillaume Moun qui c'est l'amour qui t'est manifesté un jour pour devenir la ville pour l'humanité. Tout le monde qui accepte, Moun ça n'a pas péri, mais il a la vie éternelle. Parce que la Bible fait nous ça très bien. L'Éternel dit dans Esaïe, chapitre 51, je crois. Il dit, levez vos yeux. Il dit, regarde les cieux. En haut. Et puis aussi, gardez en bas, gardez la terre. Il dit, tout ça sous la terre, tout ça qui est dans le ciel, il y a tout pour disparaître. Tant que vous vêtements, il y a fini tant que vêtements. Il dit toute richesse, toute bagarre qui est sous la terre, il y a pour disparaître. L'homme qui est sous la terre, il y a pour disparaître. Mais il dit salue-moi, appela éternellement. Justice-moi, appela éternellement. Ou même qu'attendez-moi dans le sang, ou même qui l'a matérialisé. M'a tout salue, mon Dieu, appela éternellement. Et que salut de Dieu, alléluia, regardez où doit recevoir, où doit accepter. Pour accepter, il faut repartir d'abord, alléluia, pour accepter le salut de Dieu. Le salut de Dieu, le mot salut signifie la délivrance, la guérison, la consolation, alléluia, la libération. Lorsqu'on accepte pour délivrer, on doit tous les sauver, nous délivrer. Moi-même qui prêche là, moi délivré.
Moi-même qui parle de Jésus-Christ là, moi délivré, alléluia. Moi-même qui ai mis quoi ça dans mes mains, moi pas gagné pour me faire mon ouais, même bon Dieu m'a là pour me prêcher nol. Et même si je n'ai pas gagné mes quoi, je continue à prêcher l'évangile. Même si je n'ai pas gagné l'électricité, pas gagné micro, pas gagné speaker, je parle de Jésus-Christ parce que je me vois, je suis sauvé, je dois faire sacrifice, je dois obéir, on ne peut plus, je dois obéir jusqu'à la fin, alléluia. Pour me lever non, le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit à au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, afin que toute langue, juif, grec, alléluia de Podrascoyea, haïtien, américain, alléluia dominicain, alléluia, canadien, français, africain, n'importe langue. Alors n'importe couleur que vous a, alors vous confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. On a parlé de la Seigneurie de Jésus-Christ. Alléluia. Avant pour Jésus, sauveur, faut le Seigneur d'abord. Vous devez reconnaître lui en tant que le Dieu suprême. Vous devez, alléluia, couper en bas souveraineté pour alléluia remettre alléluia pour garder pour gouverner et puis laisser à la sauveur. Et ça, l'a sauvé du péché, l'a sauvé de la mort, l'a sauvé de toute immoralité, de toute abomination. Jean-Maud l'a parlé là. Est-ce qu'on parle aux besoins sauvés? Jean-Maud l'a parlé tête en bas là. La guerre fait tout côté. Ukraine, la Russie, au moment Chine, Japon, North Korea, South Korea, au moment Amérique, le monde entier a bataille. Même les protestants, même les religieux, ils ont à bataille sur les réseaux sociaux. Oh, alléluia, un groupe religieux qui a bataille contre les vrais chrétiens. Contre les chrétiens qui a prêché pour l'évangile. De quoi prêcher pour l'évangile, au groupe satanique qui passe devant, qui partit d'ailleurs. Au groupe Massoulos qui partit d'ailleurs, Kowel, Kopawel, mais dans le monde spirituel, ils ont parti d'ailleurs parce que, ou contre le royaume, pas oublier nous-mêmes qui prêchons l'évangile, qui évangélisons, qui cherchons des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Satan va venir nous. L'hypathie derrière nous, mais ma tour était ferme, alléluia. Travaille sans mime, même si vous avez une persécution, même si vous avez une partie derrière, continuez à prêcher l'évangile. Apôtre Paul dit à Timothée, prêche la parole en tout temps, alléluia. Gardez, encouragez, nous là pour nous prêcher la parole, nous là pour nous faire communiquer, alléluia. Si vous vivez dans le péché, mes conséquences péché, si vous ne pas repentir, mais qui compte au parler, vous devez repentir, vous devez bailler Jésus-Christ la vie, c'est le message de l'église de Jésus-Christ. Nous là pour nous évangéliser, nous là pour nous prêcher vrai l'évangile là, pour nous faire mon connaître alléluia, yo doit repentir. Bon Dieu va être temps pour repentir. Si bon Dieu pas de bon temps pour te repentir, ou t'as mouru déjà dans masturbation, ou t'as mouru déjà dans fornication, ou t'as mouru déjà dans adultère, ou t'as mouru déjà dans orgueil, dans jalousie, dans rancune, ou t'as mouru déjà dans immoralité côté où y'a. Bon Dieu voulait pour repentir. Parce que la retourner. Alléluia. Mission nous, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. On dit la grâce de Dieu. La Bible dit dans Ephésiens, chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don gratuit de Dieu. Mais bien aimé, c'est un don. Alléluia. Un don gratuit. Bon Dieu veut le sauver. Liba est gratis. Non. Titre chapitre 2, verset 11. Il dit la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes sur la terre. Alléluia. Grâce de Dieu, salut, qui est Jésus-Christ, l'a manifesté sur la terre. Alléluia, comment recevoir? Recevoir par la foi. Les hommes qui attendent, comment recevoir Jésus-Christ? Recevoir par la foi. Parce que repentance avec la foi, ils ont marché ensemble. Si que vous voulez, alléluia, si que vous voulez la foi, vous voulez mettre Christ à vous, c'est ça qui va le permettre de repentir. Recevoir salut par la foi. N'importe quoi, il commence dans mes bons dieux, recevoir par la foi. Vous voulez jouer Jésus-Christ par là? Par la foi. Vous dites, waouh! J'entendais parler de Jésus ça. J'entendais Jean-Jésus ça, gros poète. Lui, c'est le seul grand docteur qui existait. Lui, c'est le seul vrai sauveur.
alléluia, qui existait. Lui, c'est seul, alléluia, le grand roi qui existait. Lui, c'est seul, le vrai rédempteur qui existait. Ah! Je peux confier la vie, je peux bailler la vie, je me sens que le futur est garanti, je me sens que si je suis mort, je peux bailler Christ la vie, alléluia. Demain, si on va le même côté, je peux vivre ensemble avec lui dans l'éternité bénie. Vous devez accepter Jésus pour rentrer dans son royaume. Sans ça, je ne peux pas gagner la vie éternelle, bienheureuse pour vous. Il y a plus de monde qui m'a appelé accepter Jésus-Christ. C'est parce que moun sa yo, y a plus de monde qui m'a voulu évangéliser, c'est parce que moun sa yo pas voulu, yo pas mouri. Moun sa yo pas répéter la vie. Yo dit, j'en yo à l'aise là. Yo dit, madame yo bon côté. Yo dit, mari yo bon côté. Lorsque yo gade à carotte yo belle, yo chita la kayo, le ouvre. Yo a nos vacances, le ouvre. Yo dit, pour malem connaît qui gagne dans l'évangélisation. Pour mal évangéliser. M'gui doit aller évangéliser tout d'avant, monsieur. M'gui doit aller évangéliser. Me retourner. Hein? À vos pieds. Yo bat moi. Et m'gui doit amour. Pour la première qui est toute la chose. C'est ça, y a pensé. Yo pas appelé à l'évangélie. Évangéliser. Tenez ça, Christ dit. Dans Marc chapitre 8, verset 35. Marc chapitre 8, verset 35. Pour même qui va appeler évangéliser. Pour même qui va appeler à faire travail, bon Dieu. En nous gardant Marc chapitre 10, verset 29, 30 avant nous garder Marc 8, verset 35. Marc chapitre 10, verset 29 jusqu'au verset 30. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons des frères et des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le monde à venir, qui ça? La vie éternelle. Tout le monde qui va Christ plus d'importance, qui évangélise pour Christ, qui d'accord pour sortir en faire mission pour Jésus-Christ, pour gagner des âmes. Christ dit tout ça que moun sa yo d'accord pour quitter pour lui. En d'autres termes, non seulement la protéger, elle la porte plus toujours. Amen, oui. La porte plus toujours. Il y a des gens qui parlent de passer l'argent pour évangéliser pour votre Dieu. Ou l'argent là avec tout vous-même. Si vous ne pas repenti, vous prenez dans l'enfer tout droit. Et puis l'argent, ça, son fatal allié, la disparaît. Soit dans maladie, soit dans le pays qu'il y a seulement, soit dans le bagage quelque chose, la disparaît. Parce que les chrétiens, les gens qui veulent chrétien, ils doivent évangéliser. Ils doivent investir l'argent. Même je l'ai investi tant. Même je l'ai investi connaissance de la parole de Dieu. Ils doivent investir l'argent pour évangéliser. Alléluia. Pour aller dans la mission, pour le payer ticket d'avion, pour le payer machine, pour aller à manger, pour aider l'autre monde, pour le prendre soin de monde. Lorsque vous avez évangélisé, mes bien-aimés, qui ont pris à payer, ça fait qu'un pile monde qui est dans l'église, un pile païen qui est dans l'église, un pile protestant qui est dans l'église, ils n'ont pas voulu évangéliser. Moun sa yo a vivre selon la chair, mais un vrai chrétien qui vit selon l'esprit, lui qui son devoir pour lui, pour évangéliser, parce que Christ dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 et 20, allez donc faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
L'occupé ou évangéliser pour mon Dieu. L'occupé pour Christ. Christ dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce matin, vous entendez, l'occupé pour mon Dieu. Alléluia. L'évangéliser. Alléluia pour mon Dieu. L'occupé pour mon Dieu. L'idée la personne avec vous. Lorsqu'on évangélise, les gens finissent accepter Jésus-Christ. La Bible nous a que vous devez baptiser. Vous devez baptiser. Et puis vous devez enseigner vous ça, ça, la parole de Dieu. Alléluia, c'est notre devoir. Alléluia, pour nous capables d'enseigner la parole de Dieu. Enseignez la parole de Dieu. Continuez à enseigner. Vous finissez accepter Jésus, c'est vrai, mais continuez à enseigner la parole de Dieu. Alléluia, heureux des serviteurs qui enseignent la parole de Dieu. Des vrais prédicateurs, des vrais pasteurs de temps qui enseignent la parole de Dieu. Qui fait parler de Jésus, qui fait mon connaître, alléluia, qui mon Jésus crie, alléluia. Enseignez la parole de Dieu. Fait reconnaître qui, alléluia. Pas dans l'extérieur dans le monde là, pas dans l'extérieur dans Satan. Satan c'est dans l'enfer, pas dans ce marron. Satan l'a servi là, il n'y a pas de problème pour qu'il y ait pour lesbienne. Satan l'a servi là, il n'y a pas de problème ou qu'à habiller jonglé, mettre qui t'es soit alléluia, mettre parapluie, mettre plume chevaux, marcher jonglé, il y a plusieurs madames, plusieurs maris, faire toutes sortes de qualités de péché, il n'y a pas de problème ça. Mais la Bible fait pour enseigner mon saïo, alléluia, qui s'agit dans le royaume des ténèbres, qui s'agit dans le royaume, alléluia, du diable. Satan par remèo, il y a un seul monde qui remèo, il est Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, le grand architecte de l'univers. C'est lui-même qui remèo, s'il ne patrimène pas ta place, s'il ne patrimène pas ta place, alléluia, il permet de accepter, alléluia, moi, bail la vie, man, Jésus-Christ, qu'on y a mis ce petit, mon Dieu, apôtre Paul dit, alléluia, Romain, chapitre 8, verset 17, il dit, nous sommes enfants de Dieu, alléluia, enfants de Dieu, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ. L'homme est Christ la vie, ou c'est petit bon Dieu, l'homme c'est petit bon Dieu, ou héritier, tout ça bon Dieu gagné. La Bible dit dans le psaume 24, à l'éternel la terre, ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qui l'habite. Dans Habacuc 2, verset 8, il dit l'argent, l'or sont à moi, dit l'éternel des armées. Toute bagaille, ça y est, c'est pour nous. Dans Genèse 1, verset 1, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout le bagage, ça va appartient à petit bon Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Les partages de gloire ensemble avec nous. Lorsque nous faisons accepter Jésus-Christ, alléluia, nous baptiser, lire, ressusciter nous. Lorsque baptiser, nous plongeons dans les eaux du baptême, les symboliser la mort de Jésus-Christ. Lorsque nous levons, les symboliser la résurrection ou ressusciter. Spirituellement, ou à vivre dans Christ, qui ça vivre dans où? Ou pas esclave péché encore? Ça fait autant dire, moi pas esclave péché encore, moi c'est petit bon Dieu. Et puis dans Marc chapitre 8, verset 35, Christ dit, en effet, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Tout le monde qui voudra sauver vivre, au bon an, qui veut rester au bon côté qui est confortable pour vous. Vous ne voulez pas aller camper dans le coin. Vous ne voulez pas aller prendre avion. Aller dans l'autre pays. Dès que vous acceptez Christ, vous n'avez pas besoin d'attendre pour dormir pour mon Dieu au Canada. Nous le voyons déjà. Vous n'avez pas besoin d'attendre comme si vous faites là. Nous avons révélation déjà. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19, 20. Allez donc faire de toutes les nations des disciples. Allez. Les dit allez. De vous finir accepter les doux. Allez. Le allez. Al parler. Al parler pour lui camper pour lui. Même si vous arrêtez nous. Même si on t'a parlé, alléluia. Puis on t'a fait des portes, ça, alléluia. Gardez ta le fier. Les dit allez. Les dit comme ça que dans Marc 8, 35. En effet, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. N'importe monde qui voulait sauver la ville. N'a perdu. En plus, nous ne pouvons pas aller évangéliser parce que nous ne pouvons pas perdre la vie. Mais Christ, c'est n'importe qui voulait sauver la vie, la perdu. En d'autres termes, Christ soit communiqué ou pas qu'à, au moins, ou pas qu'à sauver pour peut-être pas. C'est pas au créer, peut-être pas regarder, peut-être pas. C'est pas au mettre sous la terre. C'est lui qui mette sous la terre. Ou pas regarder. Ou dire, bon, si on a Haïti, il y a kidnappé. Il y a kidnappé quand on voyait là, oui. Quand on voyait dans le gros palais, il y a kidnappé. Quand on voyait chaque pauvre au travail, ou une machine blindée, il y a kidnappé là-dedans, oui. Et qui m'a dit qui plus grave qui arrive, oui, qui est kidnappé, oui. Mais celui qui la perdra à cause de moi,
et de la bonne nouvelle la sauvera. Ou quand tu chantes ça qui dit, les mourir, ils vont me fermer parce qu'elle est arrivée. Ma vie encore, chanter. Oh, alléluia. Enlevez le nous allons prier. Ma guerre assurance dans Jésus, que la tout les vins chercher moi. Les mourir, ma vie encore. Les mourir. Ma vie encore. Oh, chanter. Oh, alléluia. Ma marcher sur route salia. La mourir, ma vivre encore. Levez mes mains. Après un tel message, levez mes mains. C'est bon Dieu, je voulais aller pour vous. Moi, je voulais aller côté où vous voulez. Alléluia, menem, côté où vous voulez. Oh, alléluia, bon Dieu, besoin des hommes et des femmes qui vont camper pour lui dans le moment ça. Si bon Dieu, vous voulez camper pour lui, si bon Dieu, vous voulez aller pour lui. Seigneur, je voulais aller pour vous, à toute l'église, je voulais aller pour vous, je voulais aller évangéliser pour vous. On va habituer à faire ça ensemble avec déjà. Alléluia. Tout le monde qui décide pour aller, Seigneur, nous donne plus grâce. Nous tous qui décide pour aller, nous donne plus grâce, fais-nous aller. Alléluia, tout le monde qui va aller, yo, dit c'est volonté pour aller. Seigneur, fais yo aller. Jésus met nous devant. Que monde pour bon Dieu sauver, c'est avant pour sauver. Ou chita la cala, ou pas aller dans la mission. Ou chita, ou pas dans la mission. Que monde ça avant, oui. Que monde sont pas sortis dans la mission. Sont pas sortis dans la mission pour sauver pour bon Dieu. Ou pas dans l'enfer, oui. Et même si on va aller tout, on ferait pour aller. Ou bien investir dans le monde pour aller. Investir dans le monde, nous plus investir dans manger. Nous plus investir dans la tête que nous investir dans la parole de Dieu. Nous plus investir au monde dans bagaille éphémère, bagaille passagère, tant que nous investir dans la parole de Dieu. Nous plus critiquer la parole de Dieu. Nous plus critiquer le serviteur bon Dieu. C'est votre bon Dieu qui travaille, qui va faire mission pour bon Dieu. Nous disons 7 ans le gagner. Lorsqu'on s'assoit agent du diable, on travaille pour Satan. Dis Seigneur, matin, ouvrez un agent pour lui. Ouvrez une ambassade pour lui. Ouvrez un monde qui a encore.